Ladies and gentlemen, dear colleagues, we extended a little bit time for the previous panel because unfortunately one of our panelists for the third panel dedicated to indicators was unable to come, Mr. Dirk Haubrich from the European Banking Authority, unfortunately. But we have his presentation, so we shall make it available at our webpage because it is very interesting describing the role of European Banking Authority in controlling the credit institutions and payment services providers within 28 member countries. Allow me to introduce myself. I am a member of the European Economic and Social Committee of the Group of Employers. I originally come from the Chamber of Commerce. In previous panels, we have heard a lot about the causes of indebtedness and about the need to clean the market from toxic products. The second panel raised interesting issues, how to detect and cure debt issues at early stage. But to do that, we need to have indicators of indebtedness. There are several attempts to devise the indexes of the indebtedness that would be reliable and cover all relevant aspects leading to the situation when people who took the credits become unable to repay them. Some of these systems are already operational. We have seen the case of Amsterdam, and they cover most also the money lenders. The problem is that they exist on the national level or on sectoral basis and do not give us clear picture of the overall European situation to enable us to find an EU solution to this problem. Unfortunately, Mr. Haubrich, who would deal with this issue, was unable to come. So our panel will focus on the issue of EU indicators. We have invited prominent panelists who are renowned experts in their fields, and they will share with you their views on how this system of indicators should function. First of them is Mrs. Camille Dume. She's credit register manager of the Belgian National Bank. She has a master from the Solvay Business School, working in National Bank of Belgium since 1995. And since 2010, she was appointed head of credit registers, both for individual and corporate customers. So I will give her the floor. Thank you very much. Bonjour. Donc, moi, je vais vous parler de la centrale des crédits aux particuliers en Belgique. Donc, la centrale produit effectivement des statistiques et des indicateurs au départ des données qu'elle collecte, mais dans la mesure où le... et la lutte contre le surendettement, les données que nous produisons sont effectivement intéressantes pour la plupart des acteurs du marché, mais comportent également certaines limitations. Le crédit, on le sait tous, est un élément important de la chaîne économique, mais pour qu'il soit efficace, il faut qu'il s'agisse d'un crédit de qualité. Et à cet égard, les autorités publiques ont un double rôle. D'une part, de favoriser un climat économique sain dans le rôle de politique économique, mais d'autre part, de créer un cadre de protection et d'avis aux consommateurs. C'est dans cet esprit que la centrale des crédits aux particuliers a été créée. Elle a été créée comme étant un instrument, et pas l'unique instrument, mais un instrument de lutte contre le surendettement. Et l'objectif de la centrale est d'augmenter la qualité des crédits octroyés, notamment en permettant une meilleure évaluation du risque de crédit, en contribuant de cette manière à créer un climat favorable à la fois aux prêteurs et aux emprunteurs.
Alors, on pourrait se demander pourquoi, dans une Europe où la plupart du temps, les bureaux de crédit aux particuliers sont plutôt repris par le secteur privé, pourquoi a-t-on décidé, ici en Belgique, de créer un bureau de crédit public ? Comme je l'ai déjà dit, l'objectif de cette centrale est la lutte contre le surendettement. Les autorités ont donc considéré qu'il s'agissait d'une mission d'intérêt public et ont créé un cadre légal très précis qui a permis d'augmenter la qualité de ce service. Donc, il y a d'une part un cadre légal, réglementaire et précis qui oblige les prêteurs à nous communiquer les données, mais également qui les oblige également à consulter notre base de données avant tout octroi de crédit. Ce cadre légal nous donne également une certaine, en tout cas une bonne exhaustivité des données. Tous les prêteurs sont tenus de nous communiquer toutes les données des crédits et donc de tous les contrats de crédit réalisés dans le cadre du crédit à la consommation ou du crédit hypothécaire. Ce cadre légal a également défini des critères de reporting objectifs, mais également des délais de reporting très courts qui permettent à notre base de données d'être à jour très rapidement pour ainsi permettre de donner une vision la plus actuelle possible de la situation des emprunteurs pour également responsabiliser les prêteurs lorsqu'ils doivent consulter notre base de données avant d'octroyer un crédit. Ce cadre légal assure également la transparence et la neutralité de la gestion de cette base de données et elle est également supervisée par un comité d'accompagnement dont je vais vous parler et qui est extrêmement important pour le fonctionnement de la centrale. Un autre élément extrêmement important pour nous est la protection du consommateur. Alors organisons-nous et comment cette protection du consommateur est-elle organisée par la loi, bien sûr, par tout cet encadrement des directives européennes qui obligent le prêteur à donner une information préalable à tout octroi de crédit, mais également dans le contrat de crédit lui-même. Lorsque le prêteur est amené à communiquer à la centrale des crédits un débiteur comme ayant des impayés ou en défaut de paiement, la centrale des crédits avertit par lettre le débiteur défaillant lors du premier enregistrement, en lui donnant, non seulement en lui expliquant le fait qu'il est fiché, mais en lui donnant également des informations sur la manière selon laquelle il peut régler ce problème. En 2013, la centrale des crédits a envoyé 104 000 lettres de ce type aux consommateurs. En 2014, le nombre d'envois devrait être à peu près équivalent. Un autre droit du consommateur, c'est son droit à la rectification. Donc tout consommateur peut estimer que les données qui sont enregistrées à son nom ne sont pas correctes et le faire savoir de manière officielle. Tout consommateur a également un droit d'accès à ses propres données. Il peut le faire par écrit ou par mail. Il peut le faire au guichet des agences de la Banque nationale et peut également le faire par Internet au moyen de sa carte d'identité électronique. Ces demandes doivent être exécutées personnellement, c'est-à-dire qu'on refuse toute demande qui pourrait venir notamment d'un intermédiaire de crédit qui fait demander cette situation par le consommateur, mais en réalité c'est pour un usage, l'usage de l'intermédiaire. Et pour garantir la bonne exécution, nous envoyons généralement toutes ces attestations par écrit à l'adresse de consommateurs figurant au registre national pour garantir le fait que c'est bien la personne qui effectue la demande qui va recevoir son attestation et donc sa situation de crédit. Il y avait 48 000 demandes d'attestation en 2002. Nous en sommes à 227 000 en 2013 et on devrait avoisiner les 240 000 en 2014. Je vous ai également parlé du comité d'accompagnement. C'est donc un comité qui est chargé de la gestion
de donner son avis, mais également d'approuver toute une série d'actions de la centrale des crédits, notamment au niveau des actes légaux, des budgets, des procédures d'exploitation, de l'organisation, mais également de donner son approbation dans les demandes, soit d'échange d'informations avec les autres centrales de crédit, ou également de donner son approbation pour la mise en œuvre de nouvelles statistiques ou des demandes statistiques faites par des organismes. Il s'agit d'une plateforme d'échange de données et d'opinions, et si l'on se dit que, que l'on demande un accord, je vais dire à la majorité, et que dans la pratique, toutes les décisions se sont prises, ont été prises à l'unanimité, cela renforce l'activité et donc l'action qui sont les actions qui sont entreprises dans le cadre de la centrale des crédits. Et nous considérons que ce comité d'accompagnement, qui comprend donc tous les acteurs du marché du crédit, est un facteur important de succès de notre centrale. Alors, que collectons-nous comme données? Nous collectons les données d'identification du débiteur, bien entendu, et nous insistons sur le fait d'utiliser le numéro de registre national, à savoir le numéro unique d'identification d'une personne, qui permet donc d'éviter tout problème d'homonymie et d'être certain que nous octroyons le bon crédit à la bonne personne. Au niveau des crédits, nous recevons toutes les données relatives aux nouveaux contrats. Quel est le type de crédit? S'agit-il d'un crédit à la consommation, d'un crédit hypothécaire? Le numéro de contrat, le montant emprunté ou le montant autorisé dans le cadre des ouvertures de crédit, le montant de la première échéance. Mais il s'agit d'une approche statique, à savoir que nous ne recevons qu'une seule fois ces données. Elles ne sont pas mises à jour tout au long du crédit. Cette approche résulte en fait d'un compromis avec les différents acteurs du marché. Par contre, en ce qui concerne les défauts de paiement, nous recevons toutes les données, aussi bien lors de leur survenance qu'à chaque changement de situation. Nous recevons les dates, les montants, la date de régularisation. Au niveau des défauts de paiement, nous avons donc une approche beaucoup plus dynamique des données que nous recevons. Nous collectons également les données relatives au règlement collectif de dette, à savoir lorsqu'un consommateur est surendetté et qu'il décide de faire appel à disons, de manière judiciaire, de manière officielle pour régler ou en tout cas pour l'aider dans son problème de surendettement, il y a une procédure officielle et judiciaire qui s'appelle le règlement collectif de dette pour lequel nous recevons systématiquement les données, les références du jugement et des données essentielles comme l'admissibilité, le départ, la fin du plan et éventuellement la révocation. Comment assurons-nous la qualité des données que nous collectons? D'une part, grâce à notre cadre légal qui nous assure d'une part l'exhaustivité des données et d'autre part grâce aux critères de reporting et aux délais dans lesquels nous recevons les données. Grâce à des contrôles de qualité que nous effectuons sur les données que nous collectons, certainement en termes d'attribution du contrat à la bonne personne et donc des contrôles systématiques sur les données du débiteur et également des contrôles de vraisemblance au niveau des données des contrats. Comme je vous l'ai dit, nous avons un but de lutte contre le surendettement. Et donc, dans les données que nous collectons, nous avons certaines limitations. Par exemple, certaines données intéressantes et très utiles nous manquent. Nous ne recevons pas les données des encours, par exemple. Puisque je vous ai dit que dans les contrats positifs, nous avons une situation statique qui nous donne les données de départ, mais pas l'encours au fur et à mesure. Ce qui veut dire, bien sûr, que nous ne recevons pas, dans le cadre d'une ouverture de crédit, nous avons le montant autorisé, mais jamais le montant utilisé. Et pour un crédit hypothécaire, nous avons le montant de départ, mais pas le montant en cours d'emprunt. Nous n'avons pas non plus la distinction selon l'objectif du crédit. Donc, pour l'instant, il nous est impossible de distinguer si un crédit hypothécaire, par exemple, le but était l'achat, la rénovation ou le refinancement d'un prêt existant. Nous n'effectuons également aucune correction sur les opérations techniques effectuées par les prêteurs. Que publions-nous? Nous publions des statistiques
mensuel sur notre site. Que contiennent ces statistiques? Elles contiennent des données relatives aux emprunteurs, aux contrats et aux défauts de paiement également. Nous opérons des ventilations en fonction des types de crédits, que ce soit les crédits à la consommation ou les crédits hypothécaires. Et nous effectuons également une ventilation en fonction des régions. Sur ces données mensuelles, nous publions des données clés qui reprennent les données importantes pour le dernier mois ou les deux derniers mois comparés aux mois correspondants de l'année précédente, ce qui donne une évaluation glissante sur une année. Et nous publions également les données complètes sous forme de tableau Excel, à savoir toutes les données mensuelles que nous avons dans notre base de données, de manière anonymisée bien sûr, depuis 2007. Les données de novembre sont consultables sur notre site de la centrale des crédits depuis le 9 décembre. Donc vous voyez qu'il y a une réaction très rapide par rapport aux données qui nous sont communiquées et la publication, la disponibilité des données. Nous publions également un rapport annuel pour lequel nous donnons un commentaire sur l'évolution. Le rapport des données 2014 sera publié le 21 janvier 2015. Nous recevons également pas mal de demandes provenant soit d'institutions publiques, du monde académique, d'institutions régionales qui sont intéressées par le crédit ou le surendettement. Toutes les demandes sont soumises au comité d'accompagnement pour approbation et souvent, lorsque ces demandes sont jugées pertinentes, elles sont non seulement réalisées pour l'organisme qui en a fait la demande, mais elles sont généralisées et ajoutées à nos publications mensuelles ou annuelles, puisqu'elles sont jugées d'intérêt général. Nous travaillons également donc de manière assez proche d'institutions telles que l'Observatoire du crédit et de l'endettement, qui sont plus orientés vers des études et la lutte contre le surendettement dans un autre aspect. Ce que vous voyez ici, c'est l'adresse de notre site. Vous pouvez consulter les statistiques que nous publions et un exemple des données qui sont publiées. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Madame Kamidim. And now we shall switch to the presentation of Madame Justina Pitkowska from Microfinance Center Research. She is manager of this center. She has a large experience in international field, and during last 9 years, she specialized in microfinance research. She conducted over 20 research studies, worked on over-indebtedness in Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Azerbaijan, and led a project of micro insurance in Armenia. She's expert in designing quantitative and qualitative research tools, as you will see from her presentation. I shall ask her to keep the time limit of 10 minutes so that we give a chance to the participants, because we must finish at 1 o'clock. That's the rule in European institutions, you know, the rights of interpreters to have a rest. Okay, thank you. I'm going to give you a brief overview of EU indicators on over-indebtedness. During the year, we at the MFC have been engaged in the project on financial inclusion issues in the EU countries, and over-indebtedness was one of the issues that we studied. And when reviewing the availability of the information about over-indebtedness, we found that there's quite a lot of information available already. Information is collected by various institutions such as Eurostat, European Central Bank, Eurobarometer Survey, and the World Bank. And the information is collected either through ad hoc modules, such as Eurostat over-indebtedness module implemented in 2008,
or the information is collected on a regular basis, either annually through silk indicators or biannually through the household finance and consumption survey. We also saw that there is quite a number of different indicators relating to over-indebtedness. There are microeconomic level indicators as well as micro or household level indicators. There are objective and subjective measures used to assess the level of over-indebtedness. There are cross-sectional or multiple country data as well as data series for several years. And now when we look at all of that, we can see that in case of macroeconomic level, we have two sources of information, that is Eurostat and the economic statistics, where we have the indicator of gross debt to income ratio of households. And we also have World Bank statistics on non-performing loans. In case of household level indicators, we have objective measures collected through Eurostat, and they are available in income and living conditions section of the database. And here we have the indicator of the presence of arrears. And in case of subjective measures, Eurostat collects debt burden indicators. There are also indicators from the European Central Bank, and this would be debt to income or debt to asset ratios. And in Eurobarometer, we can find the subjective indicator, exactly it is at risk of over-indebtedness, perception of the risk of over-indebtedness ratio. And now when we look closer, we can see that in fact we have a number of indicators relating to the presence of arrears that can be found in the Eurostat database. So we have, for instance, the indicator of the arrears on mortgage or rent, arrears on hire purchase or other loans, as well as arrears on utility bills. And in case of the indicators of debt burden, we also have several different indicators. First would be the perception of financial burden on housing costs. And the second, the perception of financial burden on repayment of debts from hire purchase or other loans. And also in the databases of European Central Bank, we have three indicators relating to income, debt to income ratios. This would be the total debt to annual income ratio. The second would be debt service, monthly debt service to monthly income. And the third would be the total debt to total assets ratio. But even though we have so many different indicators from collected through different search engines and regularly or irregularly in dedicated modules, we can also see that there are some data limitations. And if we look at the databases, we can see that in fact it is rather difficult to carry out the in-depth analysis or econometric analysis of multiple indicators because they are located in different databases. So they refer to different households. They are not collected for one set of households. In this case, the example would be, for instance, that we would not be able to see what is the relationship between debt burden and, for instance, debt to disposable income ratio, because these indicators are collected through two separate data collection engines and are stored in two separate databases. We can also see that some of the indicators are collected only for selected countries. And the example would be the European Central Bank survey, which collects information only from
countries which belong to euro area. The third limitation is that the measures often mix or bundle together credit and non-credit related commitments. So, for instance, if we look at the indicator of the arrears or on mortgage or rent, we will see that, in fact, it relates to arrears on credit and non-credit overdues on rent repayment. And in case of debt burden, we can see that there is one indicator of financial burden on housing costs, and housing costs would include the mortgage repayment as well as rent. The other limitation that we find in the data is that there is an incomplete set of measures to assess all credit-related over-indebtedness issues. So, for instance, arrears on mortgage repayment are in one indicator, and arrears on hire purchase and other loans is in the second indicator, and they are not bundled together. So there is no one indicator for mortgage, for credit-related arrears versus non-credit-related arrears. And finally, we can see that there is plenty of data, plenty of information, but there is little analysis. There is a lot of statistics, tables per country monitored over time, but there is very little in-depth analysis or econometric models. So what do we see as the ways forward? First of all, we saw that, in fact, it is important to separate credit-related measures from the measures of unpaid dues on other commitments like rent or bills payments. So we would propose to create additional indicators. First of all, the indicators on the credit use, to identify those people who have credit engagements such as mortgage, hire purchase, consumer or business loans, or credit store cards, or revolving credit. Secondly, we propose to add the indicators on all credit arrears, so the indicator that would bundle all types of credit engagements versus non-credit engagements, and also add the indicator of the perception of debt burden associated separately with credit repayments, separately from all the burdens related to the payment of other dues on bills, rent, or utility charges. We also think that it is important to conduct more analysis of the existing data. So rather than engage in more data collection, more research from new sources of information, try to do more analysis on the indicators that are already collected. We also think that at least some lead indicators should be collected from one search engine, called data collection engine, so that we can see the relations between perceptions and the actual amount of debt, the relation between the amount of debt and arrears, or we can relate those different types of indicators to the poverty levels or other household indicators. And finally, we propose to develop a debt watch mechanism for monitoring over-indebtedness on the country level. And we at the MFC have already started working on the concept of such mechanism. So whoever is interested in learning more about this concept, we encourage you to visit our website or even approach me or my colleagues from Microfinance Center who sit there at the back to collect the publication, because we have some copies printed of this publication. Thank you.
Thank you very much, Madame Pitkovska. We have a few minutes left. If there are any questions, gentlemen over there, please. Yeah, hi. There is an ongoing debate on establishing credit registers throughout Europe. And one of the reoccurring arguments against it is issues concerning privacy. And I would like to ask Ms. Dunn whether she have any thoughts on those arguments that we shouldn't establish a credit register. In Belgium, the Commission from Privacy is involved in the process. There are representatives from the Committee for Privacy in our supervisory committee. And in this way, they are participating to the way to work. And they also were in favor of the creation of a public register to guarantee and to offer a maximum guarantee to protect the consumer and the protection and data protection. Mm. We also work with we are working also with a small team, and all our consultation are registered. All the consultation we are making on the private people, on individuals, are logged. Then, in case of claims, we could find the again, but we never have claims about, from individuals concerning the use of the data in our institution. We have 1 minute left. The gentleman from Germany asked for the floor, but please be brief, yes, because we have to really stop. And if there are, will be any other questions, please use the opportunity after the lunch, where there will be more space. Unfortunately, we cannot provide the translation after 1 o'clock. I have a very short question. By the way, my name is Dieter Kortschak from Germany. Do you give a kind of early warning to creditors and lenders when somebody is taking more than one credit? Because I can't really see, if I'm taking a credit, I'm registered in your office. But then next month I want to have another credit, and 2 months later I want to have additional credit. So the danger that I'm becoming over indebted is very great. And how do you deal with this? We are recording all the credits, and it's true that if you have one credit, you are registered for one, for two credits, two, and so on. But the lenders are obliged to consult or register before granting a credit. And it's the final responsibility of the lender to accept to grant the credit or not, in function of the report he received from the credit register. If a person is negatively recorded in our database, it's also given to the lender. But it's a way for the lender to see how many credits does these people have. And in this case, it is his responsibility to grant a credit or not. It's not our. Thank you very much. We apologize for all those who wanted to present questions. As I said, you will have the chance after the lunch.